Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Content d'être avec vous et à Carmen. Dossier qui concernait Village de Dieu. C'est triste d'entendre cette nouvelle côté que Negio pété balle sur un backup la police. Deux policiers à l'intérieur de cette machine. Et puis Gayoun qui courit. L'autre là. Eh bien, Bandio allait avec lui. On a imputé cette action aux hommes de Village de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est les villageois qui ont même commis Zaxila. Policier en question qui n'a même pas faut me dire que policier ça a mouru. Ben oui, policier ça a mouru. Parce que depuis les attaques là, policier a tombé. Ils ont entré avec policier dans le village avec toute machine. Est-ce que jusqu'à présent, cadavre là, n'a même toujours? Et bon. Si oui, attendez bien ça m'a dit non. Semblait que dans le dossier si là, t'as un règlement de compte. Attendez bien, oui. Règlement de compte, dans le sens que policier Sayo t'a semblé faire une mauvaise action, donc tu t'as tapé nèg fort. Et puis nèg Sayo, policier Sayo t'a un tenzou. D'après information qui arrive jeune moi, parce que dans le moment attaque la fête là, t'as un arabe qui pas trop loin zone là, tout de suite. Arabe la relem pour le dire que j'attaque la fête là, c'est une attaque rapide, pressé, pressé. Li wè yon nèg un gros corps, un petit coup de gros corps dans le cas d'attaque si là. Apparemment, il t'a semblé avec Iso dans le village de Dieu. Donc, Iso te mette pied la terre en personne dans le cas d'attaque si là. Ça veut dire que c'est un gros dossier, oui. Soit Iso te mette pied li à terre en personne. Bon, t'es gen bagay. Mais écoutez, c'est triste. C'est triste. Policier ça lui-même qui perdit la ville. Donc moi me souhaitais que si famille policier ça t'a mandé pour cadavre là, me souhaitais que nèg village t'a capable gon ti classement sur étude et bien pour bail cadavre policier ça qui nan men yo. Le mal est déjà fait. Donc je ne jodi à là, nous rendons compte que pays a la fin dégradé, la fin dégradé. Moi me condamné. Tout le monde dans société a condamné. Et nous pas jamais accepter, quel que soit Jean-Nia, pour policiers continuer à tomber comme ça dans la République. Mes amis, la police, faut assumer responsabilité. Je ne dis à la oué comment un policier mourit. Comment on l'autre se courir, courir. Pour pas péter dadal. Et puis nous-mêmes, ça nous fait un retour. Nous toujours abaye Bandi Love. En pile dans nous, bien sûr. Abaye Bandi Love. Gon les cas privés. Chaque mec a pris un crayon. On prend. Moi-même déjà prends comme bon côté peuple là. Mais en pile policier pral dit bon, OK. Pas gen bay comme ça encore, nous pas capable continuer supporter bandi. Dossier qui concernait mercenaires colombiens yo qui au même dans pénitencier national, dossier ça faut me dit que gen un véritable rebondissement la donne parce que non vinn konnen avocat k'ap défendre cause mercenaires ça yo. Nous pral dou qui ça avocat ça a dit, dossier assassinat Jovenel Moïse, Marc-Antoine Maisonneuve, qui c'est avocat qui a défendu Colombien, fait connaître Colombien innocent. C'est pas eux même qui touillait ancien président. Les dix façons Jovenel Moïse mourir qui a rapport avec aspect mystique pendant les longues droite bien longues sous Michel Martelly, Ariel Henry, les dix qui peuvent les faire lumière sous dossier si là. En écoutez-le. Effectivement, j'ai entendu des profanes, j'ai entendu des néophytes dire que les Colombiens ne devraient pas obtenir le service d'un cabinet d'avocats. Nous critiquer considérablement cabinet PAMNAN, le cabinet Maisonneuve Associé. Qui était consulté par un Colombien et qui enfin était constitué pour défendre 9 des 18 Colombiens jusqu'à présent qui sont en prison et en Haïti dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Là. Oui, bah, Mabdou, que je n'ai pas de pression pour te laguer Colombien. Nous-mêmes en tant qu'avocat, nous fait travail qui lié avec profession. Bon bah pour nous comprendre, c'est que quel que soit le monde qui est privé de liberté là, il a droit à service
avocat. Même si on est haïtien, haïtien qu'on allait au Canada, haïtien qu'on allait aux États-Unis, haïtien qu'on allait à Saint-Domingue, on retrouve en difficulté. Mais bamdo, est-ce que avocat américain, avocat canadien, avocat dominicain, avocat français par contre constitué pour eux? Oui. Et ceci, quel que soit reproche que vous adressez à vous-même, vous avez droit à service avocat. Et, vous avez un peu plus intéressant, rien que pas oublier, nous autres, dans l'enceinte du cabinet Maisonneuve et Associés, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Voilà ce qu'il faut retenir. Et j'ai déjà donné les arguments. Le premier facteur montre clairement que Jovenel Moïse n'a pas été assassiné par les Colombiens, c'est la déclaration de son fils, la déclaration de Jovenel. Le fils de Jovenel Moïse, Jovenel, a eu à prétendre clairement que Jovenel Moïse était son père était déjà assassiné bien avant l'arrivée des Colombiens dans la cour de sa résidence privée. Petite les cap parler comme ça, oui. Deuxième facteur qui montrait que c'est pas Colombien qui tue Jovenel Moïse, c'est manière de tuer Jovenel Moïse là. Parce que là on nomme ça avocat, il faut avoir une culture générale. L'avocat ne peut tout simplement avoir une connaissance livresque. Allez là. Faut qu'on mousse dans toute bagaille. C'est ça me dit apprendre depuis le petit fait café. Depuis bien avant. Bamdo. J'ai tué Jovenel là. Yo pété gel, yo coupé fémur. Nous par contre ça veut dire, ça veut dire que les gens qui l'ont assassiné sont détenteurs de certaines connaissances mystiques par rapport à la sorcellerie haïtienne. Parce que la culture, la tradition mystique pas bola kay nous. L'autre yon nous pété gel. Parce que pas biote pété Jovenel, l'autre yon moun yo pété gel. Les oreilles la table tout notre. Si mon n'a pas initié, si mon n'a initié, par exemple, tout dans ton bras, l'autre côté. L'orelel, il n'y a pas de kawé. Pour dire oui, c'est Matel Louis qui te fait complot, c'est Ariel Henry, pour qu'on comprenne ça, me le dit pas là. Eh bien, si, il n'y a pas de kawé, il n'y a pas de kawé à l'identifier mon nom, à essayer moi pour aider à identifier mon nom. Eh bien, si mon nom, tu as coupé pied, donc on comprend qu'il n'y a pas de camper. Nous ne pouvons pas annoncer quand tu es défavorisé, qu'on sait qu'il y a des gaz. On peut aller tuer un paquet de monde. Leur tu en série frais d'action, nous pas ça au fait. Parfois on même bouler eux même. Yo konn PTG, yo konn couper pied bagage etc. Yo konn même pas vle bay cadavre là. Nous te rappelle ça qui t'est passé dans village de Dieu. Donc faut comprendre ça veut dire. Ça veut dire clairement que on a fait méchamment des Colombiens des boucs émissaires. L'aime de faire de des boucs émissaires là, monsieur au fin tout fin assassiner Jovenel et puis yo besoin et échapper à sanctions que vous méritez, et bien je nous groupe monde la gécha la sous nous. Pas oublier, parce que ça important. Si m'a dit c'est pas vous. Faut nous apprendre comme pour qui ça colombien était là en Haïti. Pas oublier était un juge instructeur qui était Noël 6. Roger Noël 6, je ne m'abuse pas. Monsieur avait décerné un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. On ne pouvait pas procéder à l'exécution de ce mandat. Il fallait le support des étrangers et notamment le support des Colombiens. Donc c'est en perspective ça qui fait rentrer là. Alors on pas qu'être imbécile qui pas comprendre. On pas dit que c'est Colombien non qui allait procéder à l'exécution du mandat d'amener. Mais aurait Léo, la preuve sur allemand de Léon Charles, l'ex-directeur de la police, l'a confirmé pour vous. Il aurait les Colombiens. Pas même tu vas parler avec parents, tu vas parler avec Colombiens. Quand il y aurait deux, qu'est-ce qu'il y aurait deux? Eh bien, bon, maintenant, la police, ouais, bon, nous l'a déjà vu. Il y aurait les monsieur assassins, les haïtiens assassins et qui éliminent Jovenel là. Il y aurait les Colombiens pour venir faire une bourrade. Pour venir faire une bourrade dans le cas d'exécution et mandat. Mais ce n'est pas comme si n'y a pas de fini, il n'y a pas de fini pour être tué, pour être assassiné président. Quand il y a des affaires, avant que Colombiens rentrent, en dans chambre ka Jovenel là yo touye l et puis kounya yo pran chala yo lagé sous deux colombiens. Mais ça triste dans cadre affaire ça, c'est que
Et il y a M. Ariel Henry qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question-là. Il y a Matéli qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question. Bon, Rafal Nek qui touye, Jovenel, il n'y a pas de lumière faite. Parce que si jugement fait, si lumière fait, en pile moun ka l'en courir. Et femme de tout, nous autres bord de non ça, oui. Ariel Henry pas le procès à fait. Ariel Henry. Et Matéli pas le procès à fait. Et Gon Rafal encore. Martin Moïse également non plus. Il parle que lumière faite dans le procès. Ça c'est madame ancien président. Comme nous. Si vous regardez Martin Moïse dans différentes interventions, on va pouvoir le coller seulement dans le corps colombien. Dernièrement, il faut que vous jugez les Colombiens, il faut que vous condamnez, il faut que vous poursuivez. Il parlait précisément de vous-même. Mais, bon bagay pour nous pas comprendre, pour nous pas oublier. Ou pas dernièrement, là, dans le cas d'action à Biasco, pour tout faire là, avocat Lyon Binbalé, il dit comme ça que Martin Moïse ordonné pour demander juge là pour le déporter de la connaissance du dossier. Et que si le juge refuse de se déporter de la connaissance de ce dossier, on se rendra par devant la Cour de cassation dans le cadre du recours en dessaisissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ouais, Martin Moïse lui-même, il a intérêt dans la lenteur dossier. Il a intérêt dans le blocage. Décision CSPJ, après, on n'est pas lié avec le dossier assassinat président de l'Ontario. Décision côté Limogé et quelques magistrats d'ailleurs. Non, le balier avec. Maintenant, on est fini. Vous pensez que Colombien ça a libéré, Colombien qui a défendu. Bon, il y a une question à poser, mais c'est une belle question. Et je suis content pour poser une question ça. Maintenant, levez même en l'air, nous tapons la guerre Colombien. Parce que leurs droits fondamentaux sont violés. Parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous-mêmes, dans le cabinet, nous convaincus que c'est les Matéli, les Ariel Henry et autres qui a assassiné Jovenel Moïse, parce que nous sommes convaincus que l'on a fait des Colombiens des boucs émissaires, parce que nous, que ces maîtres affaires, ces auteurs intellectuels, les gens qui font crime, qui ont caché, et puis pour diable, qui ont fait Colombiens, qui payé pour eux, nous avons plagué, et pas devant justice haïtienne, nous avons plagué, non? Ils ont une question de procédure, là il faut avoir la maîtrise des règles de la procédure pénale. L'année là pour nous donner un jugement, quel défavorable, pour nous donner une ordonnance, quel défavorable, quel défavorable, nous t'apprenons. Nous t'apprenons à aller par devant la cour d'appel, nous t'appelons à arrêt ordonnance. Quel favorable, quel défavorable. Après ça, si nous voulons aller devant cour de cassation dysfonctionnelle, et puis c'est à partir de ce moment-là, nous t'apprenons à aller directement. Ou même by procédure, nous t'apprenons à aller directement devant la commission interaméricaine de Amoun. Et dans le cas d'un procédure comme ça, où il était la guerre, Yvon Neptune, vous te rappelez, il était arrêté, il était la guerre. Et puis nous avons allé, nous avons la guerre Colombien. Parce que, vous comprenez bien, la loi dit que c'est pendant 3 mois pour mener une instruction. On a pratiquement 2 ans là. 2 ans, presque 2 ans. Ça, c'est inacceptable. Même si nous avons fait justice, si nous avons tant de monde, nous n'avons pas de danger pour juger les Colombiens. Si nous sommes coupables pour condamner, si nous sommes innocents pour la guerre. Voilà. Mais c'est qu'on comprend le jeu là. C'est nous qui bloqué le procès, bloqué la justice là. Et puis il a fait démagogie, il a passé mon tête. Alors je suis un intellectuel, si grand avocat, pour Ariel Henry, Matéli, il comprend que tu as passé mon tête. Donc c'est ça. Et réponse PAM, réaction par rapport à la question que nous posons. J'espère que vous comprendrez et qu'à la prochaine, si il y a une évolution dans le dossier, n'a pas la veine. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, je vous dis à mes amis pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!